Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans notre musée imaginaire, nous nous retrouvons au XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières, mais aussi le siècle du libertinage de pensée, comme de mœurs. Et quel peintre a le mieux montré cette liberté et cette légèreté de ton, si ce n'est Fragonard ? Sans doute, connaissez-vous déjà les hasards heureux de l'escarpolette. Mais je ne peux m'empêcher de vous inviter à regarder cette toile encore une fois. On y voit toujours quelque chose de nouveau. Nous sommes devant une scène galante. Une femme, sur une escarpolette, badine avec deux hommes. L'un est devant, tandis que l'autre, dans l'ombre, la pousse. Ce jeu, entre tous, est tellement léger et envolé que la femme, dans un mouvement osé, envoie sa chaussure en l'air, dévoilant ainsi une cheville, objet à cette époque de tous les désirs. C'est cet instant si particulier, où la gravité ne semble plus exister, que le peintre a choisi de représenter. La chaussure vole, et les jupes de la jeune femme sont presque retroussées. En tout cas, suffisamment en lévitation pour que le regard indiscret du spectateur voit le bas de l'une de ses cuisses, et surtout pour que l'homme qui se trouve en face d'elle puisse avoir une vue imprenable sur son entrejambe. Plus qu'une scène galante, cette toile nous raconte et nous montre un jeu licencieux, érotique, un jeu de l'amour. Cette lecture de l'œuvre est soutenue par la présence des deux poutis en dessous de l'escarpolette, compagnons de Vénus et familiers des jeux de séduction. Imaginez! La toile montre qu'un instant, mais sûrement, ces personnes s'adonnent à la manœuvre depuis quelque temps déjà. Cette œuvre est narrative. Elle s'inscrit dans le temps et nous montre un instant. Mais nous, regardeurs, nous connaissons le mouvement de l'escarpolette. Nous savons donc qu'il y a un avant et un après à l'image que le peintre nous donne à voir. L'homme qui se trouve derrière la balançoire a-t-il touché le dos ou la chute des reins de la jeune femme pour l'aider à se balancer? Combien de fois l'homme allongé dans le fourré a-t-il vu le haut des cuisses blanches de cette dernière? Toucher et voir scabreux à une époque où ce que l'on pouvait voir ou toucher de l'autre était strictement codifié. C'est une peinture des sens, où la texture soyeuse de la robe répond au velouté de la peau, où le vert de la végétation sert d'écrin à la carnation rosée des personnages et des habits. Et ces couleurs, si savamment agencées, font que l'œuvre devient presque tactile. On a envie de toucher l'étoffe de cette robe. Cette sensualité exacerbée de la toile fait d'elle une peinture voyeuriste. Les regards ne sont dès lors plus innocents. Le spectateur est le témoin de cet instant volé. La jeune femme et l'homme couché échangent un regard franc et complice, tandis que l'homme dans l'ombre, ignorant bien heureux, ne semble se douter de rien. Et ce manège se déroule au rythme du va-et-vient de l'escarpolette. Alors, est-ce que vous aussi vous avez apprécié les hasards heureux de l'escarpolette ?